Yo YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, la deuxième partie de Tu préfères son corps ou mes acrobaties, vous l'avez reconnu, Solid Mike. Donc les gars, la vidéo, ça va être un délire. On a déjà commencé à tourner quelques scènes, c'est un truc de ouf. Donc bonne humeur, bonne ambiance, il n'y a plus le couvre-feu. On est à la plage du Verdon. Donc la couronne, t'es magnifique, il y a du beau monde. Vraiment magnifique, l'eau elle est turquoise, ça fait super plaisir. Donc on va voir la première partie, tu m'avais gagné frérot je pense. Je m'en souviens encore. Tu m'avais vraiment détruit, c'était à Marseille. Là frérot, faut que je prenne ma revanche. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que là j'ai envoyé du lourd. Petit bémol, c'est que c'est du sable assez épais. Tout au fond, on peut dire que c'est vraiment du gros sable quoi. C'est pas du sable dur quoi, comme on peut voir au bord des plages et tout. Ça va être vraiment compliqué pour moi d'envoyer des acrobaties, donc on va voir si ça va aller à son avantage. J'ai vu déjà depuis tard, il y a des filles qui sont en train de le pister, c'est un truc de ouf. Donc moi les gars, j'ai un corps de crevette. J'étais obligé de sortir le petit t-shirt, le petit jean, parce que là, il faut absolument que j'envoie du lourd. Je remercie Mathieu derrière la caméra. Le frérot Solid Mike a aussi fait une vidéo. Elle s'appellera Les pires tue l'amour à la plage. On est allé questionner filles comme garçons. Ce qui les répugnait le plus en termes de séduction quand il s'agit d'être à la plage. Les réponses sont tout simplement oufissimes. On a eu des grosses pépites. Vous allez voir, donc ça. Les deux dernières, c'était énorme. Des petites dames super respectables, super gentilles. Vous allez voir, elles nous ont régalé. Ça sera en description, sa vidéo. Pas plus de blabla, c'est parti, direct sur la vidéo. Let's go. Donc les amis, avant de poursuivre la vidéo, donc voilà, j'aimerais vous parler du sponsor du jour. Donc les amis, écrit juste là, Red Magic 6, nouveau téléphone qu'on m'a gentiment offert, Mr Glenn qui est avec moi. Je vais filmer en direct ce qu'il va faire, donc il va faire du trampoline, il va faire un peu de sol, vous allez voir que la qualité est tout simplement énormissime. Yes. Concernant la vidéo, il est capable de filmer jusqu'en 8K. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce téléphone peut se charger rapidement. Donc moi personnellement, de 0 à 100, mon ancien téléphone, je mettais à peu près 3-4 heures pour le charger. Celui-ci, en 38 minutes, il est chargé à 100%. Donc en 38 minutes, vous le chargez à 100% et vous tient toute la journée. Donc c'est vraiment intéressant, surtout pour moi acrobate qui fait beaucoup de stories, beaucoup de vidéos, etc. Ce téléphone est fait de base pour les gamers, étant donné qu'il a une qualité de ouf, que ça soit photo ou vidéo, je me devais de vous le présenter. Il y a le mode nuit, donc on peut filmer vraiment de nuit, il y a une superbe qualité. Mode vidéo classique, la photo aussi vraiment, vous allez voir, je vais faire une petite photo, le rendu est tout simplement énorme. Il y a le mode pro aussi, on va utiliser le mode portrait du coup, on va faire une petite photo quand il sera dans les airs, vas-y quand tu veux. Donc regardez les amis, la qualité ne bouge pas, toujours la même, même quand je vois des saltos. C'est énormissime, super net, et je perds la casquette aussi, mais c'est pas grave, mais en tout cas la qualité est vraiment nette. Donc les amis, du coup pourquoi je kiffe ce téléphone et pourquoi j'ai décidé de vous le présenter, tout simplement parce que d'un côté on a la performance avec une superbe qualité de vidéo et de photos, d'un autre côté on a l'autonomie qui peut durer une journée entière en faisant des photos, en prenant des stories, etc. et tout. Donc les amis, pour tous ceux qui souhaitent se procurer le Red Magic 6, tout sera en description, donc je vous mets le lien en commentaire épinglé. Et moi je vous dis à de suite pour la vidéo, c'est parti, let's go. Bon du coup salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là je suis avec Solid Mike et en fait le concept aujourd'hui c'est est-ce que tu préfères son corps ou mes acrobaties. Du coup les amis, on est avec Lucinda, Mathias, Mathieu. Et là on est en direct avec Louise, Mila, Marjorie, Maïline. Donc les amis, aujourd'hui on est avec Lauriane et Pauline. Votre prénom? Manon. Morgane. Gilles. Gilles, ok. Vous êtes le papa, c'est ça? Je vais vous montrer une démonstration d'acrobatie. Et vous devrez juger du coup si un exemple vous serez célibataire ou juste pour aller boire un verre, est-ce que vous choisirez l'acrobate ou le mec musclé? Allez c'est parti. C'était impressionnant même. Si j'étais une meuf, je serais allé vers toi moi. C'est vrai? Ouais non mais moi c'est sûr, hein, j'aime pas les mecs musclés. Ah ouais c'est vrai? Ouais. Du coup t'aurais choisi moi? Oui. On va gagner ensemble. Bah moi j'aime trop la musculation et tout donc. On peut faire de la musculation ensemble. C'est pas que esthétique la musculation, il faut pas croire. C'est tout un univers les amis. Donc ça fait acrobate, muscu et toi du coup c'est toi le qui va dire. Ouais. Acrobate. Je t'ai gagné. Merci. En fait je vais me mettre avec le dos. Là je suis avec Solid Mike, c'est voilà, un athlète qui fait qui pratique la musculation. Et le concept aujourd'hui c'est est-ce que vous préférez voir un athlète comme ça, que ça soit en tant que pote, même pour sortir avec, même si admettons t'es en couple mais juste pour aller promener, voilà, ou ressembler à quelqu'un comme ça, ou faire avoir le même physique que moi et faire des acrobaties. Ça
Sûr, c'est hyper impressionnant ce ouais. Film, vraiment. Hein. Du coup, si tu trancherais entre les acrobaties et le corps musclé, qu'est-ce que tu choisirais? Pour les efforts, je dirais le. Moi, c'est pour ça, mais moi, je dirais le corps. Allez. C'est vrai, puis ça merde. On est presque à égalité. Ouais. Non, les deux, tu vas défoncer. Vous avez beaucoup de répétitions dans ce que vous faites là. Parce que je pense que tu fais beaucoup, tu enchaînes beaucoup pour pouvoir arriver à un certain niveau et toi. Autant en musculation que pour lui, je pense que les entraînements c'est pareil. Ouais, ouais. Ouais. Tu peux la choisir muscu et acrobatie. Ouais. Un petit commentaire? Bah attends, je le fais en salto. Abonnez-vous. Du coup, il y a une question toute simple. En gros, j'ai fait une première partie avec Solid Mike, c'était en plein centre-ville. Est-ce que tu préfères son corps ou mes acrobaties? Et vous voyez son corps? Il est abdos, etc. Bon, moi, j'ai pas le même corps que lui. Par contre, je fais des acrobaties. Toi, Solid, t'as pu voir ce que je faisais. Elles, elles ont pas vu, donc je vais vous montrer. Vous, à la fin, vous direz si vous préférez les acrobaties ou son corps. C'est bon? Moi, le corps, c'est vraiment pas la chose qui m'attire le plus chez un mec. Acrobatie. Acrobatie. Oui, allez, les acrobaties, on va dire. Okay. Acrobatie. Tous acrobaties, vous validez. Acrobatie. Bon, mais je suis dans la merde aujourd'hui. Bon, merci beaucoup, les filles. On va remets-en un peu solide. Frère, ça va plus. Je crois qu'il est en train de me gagner, donc qu'est-ce que je fais? Remets-en un peu, remets-en un peu. Là, il a mis. Il a mis le Zidi Toon sur le corps, là, ça y est. Ah, ça va être un vert luisant là, la vérité, il va briller comme une étoile. Très important de le préciser, le sable est pas à mon avantage parce que c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, le sable ça absorbe la détente. Ouais, et ça demande deux fois plus d'effort pour pouvoir te propulser. Donc la question elle est super simple. D'après vous, pour faire une recette pour cookie Nutella, quels seraient les meilleurs ingrédients? Farine, ouais. Du Nutella, yes. Œuf, sucre. En fait, je vous ai pranké, la question c'était pas ça. En fait, je suis acrobate. Et lui, tu vois, il fait de la musculation. En gros, le délire, c'est est-ce que tu préfères les mecs musclés ou quelqu'un comme moi, une grosse larve en fait, qui a zéro muscle, mais par contre, fait des acrobaties de ouf. Les acrobaties, Ouais. Attends, je t'ai pas montré, je te montre une démo et peut-être tu changeras d'avis. Ouais. Ça sert à rien. Merci, top. J'ai l'air d'avoir rien dans le crâne. Je parlais pas forcément de toi. Après, c'est acrobate, t'as rien dans le crâne, tu seras rien. Ah, bah oui, c'est bon pour les deux. Vas-y, dingue, c'est le mot, c'est kiff-kiff, c'est ça? Non. Admettons, il y a un mec très intelligent. Ah, les muscles, ça fait toujours plaisir, quoi. Ah, et merci. C'est 50-50 du coup. Voilà, 50-50. Merci beaucoup, les filles, ça fait plaisir. Donc, la question du jour, c'est est-ce que vous préférez une personne qui est constituée comme elle est ou une personne comme moi, acrobatie? Déjà comme ça, une petite. Musclée? C'est vrai? Et vous, musclé aussi? Oui, musclé aussi. Je vais devoir sortir une cartouche là. Non, la performance elle est là, elle est super. Je peux le faire moi aussi. C'est une démonstration? Ah, c'est pas vrai. Et pour séduire les filles, les acrobaties ça marche. C'est vrai? Je pense, hein, je sais pas. Ah oui, ouais, t'as une bonne détente. Oui, tu pourrais, je pense. Oui. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, merci au frérot Solid Mike. Ça fait super plaisir. Donc les résultats du coup, on peut le dire. Là, l'autre jour, on peut pas gagner à tous les coups, frère. C'est pas grave, écoute, j'apprendrai à faire des saltos un petit peu. Voilà, il apprendra à faire des saltos et là au moins il sera complet. Il aura le body. Les saltos, ça sera magnifique et il pourra pécho comme ça tranquillement. En tout cas, merci au frérot, je te check. Franchement, merci pour ton accueil. Merci pour l'invitation. C'est toi qui m'as invité aujourd'hui plutôt. Ça fait deux fois que tu m'invites. Ouais. L'autre fois, c'était à Marseille. Là, tu m'invites à ce magnifique décor. Franchement, les gars, rien de mieux. Là, je pense qu'on va aller piquer une tête directement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, les amis. Bientôt 400 000 abonnés, ça fait super plaisir. Et le frérot Solid Mike, 220 000 abonnés presque. Donc, les gars, go 300K. Et la vidéo qui sera en description. Je vous remercie Mathieu. Et nous, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo aussi. Sauter trois filles en même temps. Vas-y. Par-dessus. Vas-y. Tu vas voir des meufs, tu vois mon collègue là-bas, le rebeu, il est chaud, il a envie de vous sauter. Et moi, j'arrive, je débarque direct. Non, je rigole. Il est trop hardcore. Prenez soin de vous, les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Peace.